I'm here with Pierre Summers, Chairman and CEO of uh, Walter Surface Technologies, and we've just uh, witnessed the groundbreaking ceremony for the new Leeds building being constructed. Pierre, this is a milestone in the company's history. Could you give us a few words of uh, your impressions and the significance of this event? I think what's uh, specifically interesting about uh, this. Uh Facility is that we're building a LEEDS building, so it's showing our commitment of Walter as a as a whole as a company to the environmental uh, concerns, and uh, I can only uh, encourage uh, everyone to um, follow um, the, f the footsteps of the companies that are uh, looking for the future and looking at doing things the right way. Thank you. Je avec Monsieur Paul the propriétaire de Paul Construction, qui est charge de the de réalisation de nouveaux. Euh, siège social de Walter, euh, Monsieur Pomerlot, pouvez-vous nous donner un peu euh, l'importance de ce projet par rapport à, à votre euh, entreprise Bien, je vous dirais, c'est un projet très important pour plusieurs raisons. C'est un projet euh, qui est complexe à cause du fait que c'est un projet qui est lié, donc qui est, qui est très environnemental. Projet Alors, pour nous, c'est vraiment intéressant. Euh, est-ce que vous avez de nombreux chantiers en ce moment ou est-ce que ça, c'est quand même un des chantiers euh, des plus importants pour, pour le moment ici? c'est un chantier très important pour l'entreprise Pomerlo. Euh, on en a plusieurs. Euh, l'entreprise euh, travaille dans, dans, dans plusieurs provinces euh, puis dans plusieurs États américains. Alors, on a toujours une centaine, 150 chantiers qui sont en marche simultanément. Excellent. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Je suis ici avec Daniel Fontaine, architecte chargé projet de Walter, du nouvel immeuble Walter. Monsieur Fontaine, pouvez-vous nous donner quelques particularités de ce projet? Bien, effectivement, ce nouveau bâtiment va euh, contenir euh, une nouvelle section entrepôt et les bureaux de Walter. Et ce bâtiment-là a la particularité d'être un bâtiment qui sera LEED, c'est-à-dire qu'il y aura une, une certification de bâtiment énergétique en développement de design. Et. Euh, pour, pour parvenir, il y a certain une certaine accréditation, tout un certain processus de, de mise en, en place euh, dans le choix des matériaux, dans le, les concepts qui sont retenus et les systèmes mécaniques pour rencontrer les exigences de certification libre. Merci beaucoup. Bienvenue. OK, I'm here with Tim Houghton, uh, President and Chief Operating Officer of Walter Surface Technologies. Uh, Tim, could you tell us a little bit about the significance of this day? Yes, uh, today is a uh, milestone for Walter. We uh, just put the shovel in the ground for the new expansion on our building. Uh, part of that process of having this expansion is based on uh, driving chemical, our chemical side of the business and uh, our chemical cleaning side of our business, uh, but mainly Bile circle and uh, the chemical cleaning products. Uh, but the current warehouse that we're in right now is very small, and we're changing that process now. So uh, we're doubling in size, so we're very excited about it. Thank you. Okay.